Bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! Bienvenue sur les ondes de Double XP, votre référence en matière de jeux vidéo. Pas pire, hein? La seule, l'unique. Peut-être pas la seule et unique, non, mais hein. on est une bonne référence, par exemple. On a beaucoup de contenu exclusif, même que toi, tu fais partie de un de ces chanceux qui s'est procuré la... La Nintendo Switch, oui, monsieur. Je suis allé en ligne combattre le froid hier soir et je suis allé... Ouais, avec mon chapeau de Link. Beau chapeau. C'est très... Voyons, c'est quoi le mot? Très, ça fait... Thématique. Exactement. Merci. Thématique. Une chance, t'es là, Martin. Je suis dans la thématique, ouais. J'étais allé braver le froid hier. Non, en fait, on a attendu en dedans chez Microplay. Fait qu'on était avec peut-être une centaine de personnes. Microplay à Pointe-aux-Trembles, auquel j'avais fait ma précommande, dans le fond. Avec le jeu Breath of the Wild de Zelda, évidemment. Et le Controller Pro, qui est, je pense bien, ma nouvelle manette préférée. Mais ça, on va revenir un peu plus tard. Ouais, vraiment. Anyway, ça, c'est comme je dis, on va en reparler un peu plus tard. Wow. Fait qu'on a attendu pendant... Un bon bout de temps. Ça a été assez vite que tu m'avais dit. Ben, ça a été assez rapide parce que le service était vraiment efficace. Chapeau pour Microplay à Pointe-aux-Trembles. Chapeau sérieusement à l'équipe du Microplay Pointe-aux-Trembles. C'était vraiment cool pour ça. Avec peut-être, comme je disais, une centaine de personnes. Moi, j'étais au milieu de la file. J'étais arrivé vers les 11h. Quand même. Donc, il y avait déjà beaucoup de monde. Il y avait du monde qui attendait depuis 9h, 9h30, qu'on m'avait dit. Puis non, pour vrai, c'était un beau moment. T'sais, c'était pas mon premier lancement. J'avais fait des lancements de jeux. C'est mon premier lancement de console, par contre. Ouais, c'est vrai. On se souvient, mettons, à GTA, l'engouement qu'il y avait eu. Il y avait des line-up dans tous les magasins. C'était incroyable. Ouais, ça, c'est mentionnable, ça. Mais GTA 5 sur Xbox 360 puis PS3 originalement. Là. C'était. Ça aussi, ça avait été une longue big, attente. Hein? Là, dans le fond, c'est ça. On était en ligne et on voyait la ligne se rétrécir au coup de minuit. Wow. Avec le premier qui a eu sa console qui s'est mis à chanter We Are the Champion de Queen, qui était un moment absolument épique. Mais tu sais, en même temps, t'as tout le monde qui est vraiment de bonne humeur à ce moment-là. Hein. C'est quand même le lancement d'une console, c'est pas un moment triste. Fait que tout le monde était hyper de bonne humeur. Puis, ça jasait, ça échangeait. Il y a du monde qui était sur Twitch, qui regardait des streamers. Ouais, parce qu'il y en a qui ont eu la console avant le temps aussi. Il y en a qui l'ont même eu une couple de jours d'avance. Ouais, ouais. Ben, il y a certains YouTubers, dans le fond, qui sont assez connus, qui ont eu accès à la Nintendo Switch, dans le fond, jusqu'à une semaine, vraiment, à voir la version finale avec eux. C'est sûr qu'il y a eu un update aussi du lancement. Ouais. Mais sinon, non, c'est ça. Il y a eu quelques chanceux. Fait que toi, c'est ta première console, comme ton premier lancement de console ever. C'est mon premier lancement de console. C'est la première console que j'ai à sa sortie. Wow. Ouais, c'est jamais arrivé. J'ai tout le temps eu, tu sais, sans dire 3 ans plus tard, tout le temps eu un petit peu décalé de la sortie. J'ai jamais eu la première batch. Ouais. Tout le temps un peu en méfiant aussi des bugs qu'il y a eu avec différentes consoles au fil des années. Ben, surtout les premières batches, des fois tu vas voir ça comme PlayStation, je pense qu'il y avait eu ça, ou même Xbox. Les premières générations de consoles, souvent tu as des problèmes à ton niveau du disque dur ou du lecteur CD, puis souvent ils brisent après un certain temps. Mm-hmm. Fait que même je pense que la mienne, ma PS4, j'avais eu pas un rappel, mais il y avait averti comme de quoi que peut-être le disque dur était porté à sauter. Non, c'est pas vrai, c'est le lecteur CD, le lecteur Blu-ray qui devient fautif après un temps. Et c'est le cas, il est devenu fautif. J'ai dû remplacer et faire... preuve de mes talents chirurgicaux pour réparer le lecteur Blu-ray de ma console. Mais ça s'est quand même bien fait. Puis évidemment, c'est arrivé après que la garantie soit expirée. Fait que, évidemment. Mais non, ça avait coûté peut-être 80$, je pense, canadien, pour faire avec l'outil, le matériel et tout. Fait que non, ça va quand même assez bien. Oui, c'est vrai, ça prend un tournevis spécial, si je me trompe pas. Oui, parce que c'est comme un tournevis étoile, mais il y a comme une pin dans le milieu. Pour, je pense que c'est question de garantie et quoi que ce soit. Là. Mais non, ça se fait assez bien. Là. Tu dévisses, puis il faut juste que tu t'assures de mettre. Il y a comme une espèce de chip de puce électronique dans le lecteur Blu-ray original qu'il faut que tu transfères dans le nouveau lecteur. Mais il donne les instructions quand tu le fais. Là. Fait que ça va très bien. Fait que... Mais non, j'avoue, habituellement, on se méfie des premières consoles. Mais quoi que Nintendo, je pense pas qu'ils sont réputés pour avoir des consoles fautives après un bout de temps. Corrige-moi si je me trompe. Pas dans mon souvenir. Je vois pas... GameCube, Wii U, non? Non, c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment de rappel au niveau des consoles ou des gros problèmes de garantie. Là, c'est sûr qu'on parle d'une console de ces nouveaux genres aussi, puis semi-portatif, semi-salon. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être à se méfier un petit peu plus à ce niveau-là. Sauf qu'encore là, on n'est pas dans les lecteurs de Blu-ray. On est vraiment avec une nouvelle
Ben, je dis nouvelle. C'est l'équivalent d'une carte SD. Ouais, c'est en termes de grosseur, là. Ouais, exactement. Mais si on regarde, je vais juste aller chercher le. Ça, je disais tantôt en termes de grosseur. Si tu regardes, mettons, PlayStation Vita à côté d'une. Pour les boîtes, boîtier, pour, ouais, ouais, exact. De Switch. Puis je pense que quand tu ouvres la boîte, c'est pas mal la même chose. Là, si tu regardes le, en termes d'espace, je sais pas si on va le voir sur nos superbes caméras qui sont pas 1080p, mais regardez, c'est tout petit. C'est vraiment juste c'est la grosseur d'une carte SD, comme tu disais. Là, c'est... Ouais, un petit peu plus épais qu'une carte SD. Ouais. Puis il y a un truc spécial dessus que tu m'as mentionné ouais. un peu plus tôt. Nintendo a mis une saveur, un coating avec une saveur qui est hyper désagréable, qui est la saveur, je me souviens plus du nom exact du produit en question. C'est non létal, sauf que ça a le pire goût amer qui est possible d'avoir sa planète. Ben c'est comme, comme quand tu veux arrêter de te ronger les ongles, ton animal... Il... Fois 10. Quand même. J'ai, je n'ai entendu parler, fait que je me suis dit, mais on va essayer. Petite Je vous le dis, c'est épouvantable. Le goût m'a resté dans la bouche pendant à peu près 20 minutes. C'est vraiment fait pour que les enfants ou les animaux, instinctivement, s'ils goûtent à ça, ils vont vouloir le retirer de leur bouche. Donc, ils pourront pas venir à... C'est quand même une petite pièce, là. On veut pas, pas qu'un enfant ou qu'un animal s'étouffe non plus avec ça. Donc, on a vraiment mis un coating avec une saveur désagréable et amère dessus pour que éviter le problème du grugeage de bébelle, finalement. Ah, c'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. Et c'était efficace. Tu sais, je me disais, si ça goûte le sucre, peut-être que pour 80$, je suis game de la manger. Mais finalement, non, c'était trop désagréable. Je l'ai mis de côté. On me réessayer plus tard. Asseyer ton chien puis ta fille. Tu sais. Mon chien est un peu cave. Ah ouais, elle mangerait? Ben, mettons que je donnerais pas la possibilité. Je vais faire attention. C'est un bon feature. Dommage que... Les cartouches ne contiennent pas assez de données pour pouvoir jouer à Titanfall 2. Oh. Mais non, bel achat. Fait que tu t'es procuré la console, le jeu Zelda. Et la manette pro. La manette pro? Est-ce qu'elle est pro? Elle est excessivement pro. Je vais vous l'apporter, l'approcher un peu. Oups, on va y aller avec un peu de lumière. Ouais. Et voilà. Donc, la manette ressemble un petit peu à celle du Xbox, ouais. Un petit peu plus petite peut-être. Donc, je dirais un bel hybride entre la manette de PlayStation et la manette de Xbox. J'étais un fan vraiment au niveau des générations, dans le fond 7, de Xbox 360, PlayStation 3. Ouais. J'étais vraiment un fan de la manette de Xbox à ce moment-là. Quand on a changé avec PlayStation 4 et Xbox One, la PlayStation 4, elle a un quelque chose que j'ai bien apprécié. Là, vraiment, je vais chercher le meilleur des deux mondes avec cette manette-là. Honnêtement, j'ai rien à dire. Ah ouais? À part une chose, je suis tanné qu'on rime nous autres avec les boutons B, A, X, Y, triangle, rond, carré, X. Ah, X, oui, oui. Il est à trois places différentes. Fait que je suis tout le temps mêlé. Là, on me dit « paye sur X », je paye sur B, je suis comme... X, c'est pas ce ouais, X. C'est X, l'autre. Y, B, A. Il devrait en plus avoir un feature de quand tu te dis paye sur X puis tu payes sur B, parce que tu penses que c'est le X. Hey, on n'est pas sur PlayStation, ouais, c'est moron. Ça. Exact. On devrait avoir un feature dans ce genre-là. Non, pour vrai, c'est la seule chose, mais je veux dire ça. Les amateurs de seulement Nintendo sont habitués à ça, ouais. Etc. Avec chacune des consoles, là, c'est vraiment parce que j'ai rechangé encore une fois de Xbox à PlayStation à Nintendo. Ouais. Donc, ça vient un petit peu mélangeant, mais c'est mon problème à moi. Je suis capable de dealer avec ça. Ben, je te comprends. Moi, je joue sur PC en ce moment. Fait que j'ai ma manette de Xbox 360. Là, je joue au PS4. Fait que là, quand tu payes sur X, je paye sur le mauvais piton tout le temps. Fait que ouais, je te comprends. Puis, non. Fait que Zelda, la manette pro. Puis, cette petite statuette que je vois. Est-ce que. Je me suis procuré ça. Dans le fond, je l'ai reçu cette semaine. Je l'avais précommandé sur Amazon, étant donné que les prix sont plus avantageux. Ah. Donc, petite statuette amiibo de Link Lou avec Midna. Hmm. Et dans le fond, c'est un feature qu'il y a dans le jeu qui te permet, rendu à une certaine étape, de venir placer ton amiibo sur ta manette
Et le loup, Link, va t'accompagner, va même attaquer les ennemis pour toi. Donc, ça vient à être un helper. Un petit peu dérangeant si tu t'essayes de jouer stealth. Lui, il est là pour se battre. Et, du moins, j'ai pas eu l'impression qu'il suivait. Tu peux lui dire de rester ou d'avancer. Au moment qu'il est en mode avance, il va. Il arrête plus. Et ben, il y a des ennemis à l'horizon, il jappe après, il attire l'attention, puis il court après eux autres. Mais il est efficace. Ah, ok, donc ben, ça allait être ça ma question. Est-ce qu'il est nuisible, tu sais, Non, au ben, niveau il est nuisible si tu voudrais y aller seulement stealth. Mais sinon, c'est pas désagréable, là, c'est un. Sauf qu'il vient pas être une grande aide quand tu vas te battre contre des ennemis supérieurs, là, des boss ou des world boss dans le fond. Sinon, je le pardonne, j'aime bien mon loup. Ben, Mon c'est un bon loup. feature, j'aime bien ça, les animaux. Il y a Dave qui fait demander quelle est la sensation des triggers L et R? C'est plus bouton que pression. Que progressif, mettons, là. Exactement. Au Xbox, il y a des aimants, dans le fond, qui créent des résistances d'un trigger. On est loin de ça. Au PlayStation, il y a un gradateur qui va Ouais, être. c'est ça, tu pèses, puis tranquillement, pas vite, tu peux Exact. Exemple, l'enfoncer. dans un jeu de course, tu aurais plusieurs niveaux de gaz que tu vas pouvoir Ouais. donner. Là, c'est vraiment, on a le bouton, le feeling click, Ok, plus que c'est on and feeling. off, that's it. Exactement. On a plus le feeling d'une switch que le feeling d'un trigger. Mais Mais en tant que bon tel, c'est endroit. juste les triggers progressifs, je trouve personnellement, c'est surtout pour la conduite automobile que ça Oui, bénéficie, définitivement. là. Mais est-ce Mais que les ça boutons sont assez te. rapprochés aussi. Je vais essayer de le pogner à l'écran. Les. Oups, ici. Peut-être un petit angle. Et voilà. Donc, les boutons sont assez rapprochés. Le bouton Z, le Z et non pas juste le R ou L. Le ZL, ZR est un peu plus gros. Mais non, pour vrai, ça se fait bien. C'est pas dérangeant qu'ils soient aussi rapprochés. Ça. C'est sûr, c'est une habitude. Mais non, je ne peux pas critiquer sur ces boutons-là. C'est pas Ça te manque pas. désagréable. Le trigger me manque pas. Ça peut, comme on parle dans un jeu de course, ça se peut que ça soit pas hyper adéquat. Dans un jeu de tir aussi, Dave, tu as bien raison. Ça peut ne pas être hyper adéquat pour un jeu de tir. T'sais, ça peut être. C'est plus instinctif, peut-être avec la gâchette que tu peux renfoncer jusqu'au fond. Mais tu sais, on s'entend que la Switch, Ben, là, les jeux sont différents aussi. ça va pas avec Call of Duty. Là. Le jeu, tu sais, c'est pas mal plus Splatoon, qui est un on-off de peinture. Fait que tu veux pas mettre de la peinture à moitié. Non, mais c'est ça, la direction que Nintendo prend dans leur jeu aussi, c'est probablement ce que justifie les features de la manette aussi, là. Puis étant donné que, tu sais, si, je veux dire, on va passer du coq à l'âne, mais si on regarde les autres petites manettes qui viennent avec. Ça prend du sens, c'est parce qu'on veut vraiment avoir que tu aies les mêmes options quand que tu vois la Switch, soit en mode portative, soit en mode t'sais, dans le socket pour jouer sur ta pleine télé. Fait que on veut vraiment que l'expérience soit la même t'sais, d'une manette à l'autre. Fait que je pense que c'est ça qui est justifié. Reste à voir parce que t'sais, on parlait avant que la Switch sorte d'association avec tous les jeux t'sais, sur le Unreal Engine, Ouais, CryEngine, Ubisoft. Bethesda et compagnie. Fait qu'on va probablement avoir des jeux différents qu'on est habitué de voir sur les consoles Nintendo. Est-ce que la configuration de la manette va nuire aux associations ou aux features? Ça reste à voir d'après moi. Là, on peut pas. Seul le temps va le dire. Rendu là, d'après moi, il va y avoir des third parties qui vont faire d'autres manettes aussi. Puis Ah oui, ça a c'est déjà vrai. été fait dans le passé avec Nintendo. Il y a déjà eu des third parties qui ont fait des manettes. Ben Donc. oui, manette de Super Nintendo que t'avais quand t'étais jeune avec les 8 pitons, tu peux le mettre automatique, Ouais, puis exactement. Fait que, il va avoir d'autres manettes, mais. Obligatoire cette manette pour jouer dans de bonnes conditions par rapport à la manette de base qui nous demande Shizad. Gessad plutôt, excuse-moi. En fait, la manette de base qui est cette manette-là, qui est avec cette partie-là, dans le fond, qui vient se glisser dedans de chaque côté. Et j'avais vraiment peur avec le gros carré. Si tu pourrais défaire la tienne, Fio, que je puisse te le montrer, qu'est-ce que ça fait de ce côté-là. Mais ça fait vraiment un énorme carré. Ça se passe bien de ton côté, vieux. Ben, je veux pas le briser. C'est à la Donc, belle. vous l'avez sûrement vu, je vais quand même vous le montrer. Avec le gros carré comme ça, j'avais peur de ce que ça pourrait faire comme feeling au moment où est-ce qu'on tient.
Mais de la façon que le support a été fait à l'arrière, c'est vraiment pas désagréable. Non, mais ça se tient bien. Même comme, moi, j'étais surpris. Comme tous les autres manettes, quand on change de console, c'est sûr qu'il y a une adaptation à faire. C'est pas spontané. On cherche un peu nos boutons. La configuration est similaire, mais pas identique. Donc, c'est sûr que la distance peut nous déranger un peu instinctivement. Mais on s'y fait réellement rapidement. Ça m'a impressionné de voir à quel point il y a un bouton pour prendre des captures d'écran rapide. Donc, un screenshot, clic, juste avec un bouton. Ce qui nous apporte peut-être dans la direction de ce que Nintendo va finalement nous permettre d'utiliser directement la console pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Ah, comme streamer, mettons. Là. Ben, j'aimerais ça. Ça serait cool. Ben, tu pourrais, là. Je veux dire, là, on va le montrer, on va pouvoir le streamer live. C'est sûr, ça te prend un ordinateur. Exact. En ce moment, ça prend une Game Capture Card. Ouais. Nous, on a la Elgato HD. Ouais. HD 60. HD 60. Et ça fonctionne. Regardez. Regardez. Ouais, là, ça. Tu peux-tu juste montrer que, de quoi que c'est connecté. Ouais, et voilà. Fait que vous le voyez, c'est connecté. Fait que ça fonctionne. Non, c'est pas obligatoire pour jouer dans des bonnes conditions. Moi, je l'ai pris vraiment par rapport au fait que c'est un goût personnel. Je trouvais que la manette avait l'air vraiment cool. Elle est très chère, soit dit en passant. Au Canada, elle est 89,99 canadiens. Combien? 89,99 canadiens. Donc, probablement en euros. Mais attends, tu parles de la manette? La manette Pro. Juste la manette? Juste la manette Pro qui vient avec son fil USB type C qui est ici. On n'a pas très long de fil encore une fois. Puis il donne même pas long de fil pour ce prix-là. On a 5 pieds de fil. Jesus. 5 pieds de fil. Et c'est tout ce qu'on a, mais c'est ça, c'est quand même excessivement cher. Donc euros, ça doit être je dirais une cinquantaine d'euros, peut-être soixantaine d'euros américains aussi, $60 américains. Donc très cher, c'est pas obligatoire, moi j'y tenais, et ça me donne aussi la deuxième manette si je veux jouer avec un ami, parce que je vais éventuellement m'acheter des Bomberman, d'autres jeux comme ça, ou des jeux indépendants auxquels que je veux jouer aussi. 69 euros. Merci beaucoup. Ah, merci pour la précision. Donc, 20$, man. Excessivement cher. Mais ben, tu sais, t'as quand même un gyroscope à l'intérieur. Les vibrations HD sont aussi incluses dedans. Donc, ce qu'on disait pendant la conférence de Nintendo, que la manette peut filer s'il y a un glaçon dans un verre, deux glaçons dans un verre. Ah oui! Et la vibration est progressive et elle peut se déplacer dans la manette. Donc, tu sens où est-ce qu'elle est. Je t'arrête là. J'espère que Nintendo vont se servir de cette feature-là. Parce que PlayStation, OK? Cette joyeuse manette de PlayStation coûte environ $79,99 canadien en temps normal. Et la raison du coût excessif de cette manette, c'est que dans le milieu, l'espèce de touchpad peut servir comme un espèce de comme clavier de souris. Par contre, on s'en sert pas. On l'utilise pas. Vendez-moi une manette qui n'a pas ça, $49,99. Ou $59,99. Est-ce que... Ben écoute, Nintendo, habituellement, quand ils font de quoi d'innovateur, je veux dire, on regarde la Wii U, la Wii, la Switch, c'est très innovateur. Fait que d'après moi, j'ose croire qu'ils vont savoir exploiter cette fonctionnalité-là. J'espère, parce que c'est beau de me dire que tu sens les glaçons, mais s'il n'y a rien pour me faire filer les glaçons, ça sert à rien. À quoi qu'il te sert tes glaçons si tu n'as pas de verre d'eau? Merci, Fio, pour cette... belle phrase philosophique. C'était très pertinent et... Ça fait plaisir. C'est ça que je cherche. Donc, pour revenir finalement à la question, non, c'est pas obligatoire. Moi, c'était vraiment question de choix. D'avoir une deuxième manette, d'avoir une possibilité de jouer avec, de l'essayer aussi pour vous autres. Mais l'autre manette qui vient directement avec la machine... La manette... I feel pas cheap. I feel like cheap. Non. Mais l'autre manette fait entièrement la job. Elle est vraiment plus confortable que ce qu'elle a l'air d'être. Et en plus, ça nous fait deux manettes. Cette manette-là se transforme en deux manettes avec le petit accessoire, dans le fond, qui vient se glisser dedans pour faire les touches LR, qui sont comprises avec la console. Je pensais que c'était... Je pensais que c'était séparé, mais finalement, ça vient avec. Donc, absolument rien à dire là-dessus. Non, puis je suis surpris parce que moi, la façon qu'on voyait dans les vidéos qui a passé sur l'Internet, les...
C'est comment ça s'appelle, les Funcom? Les Joy-Con? Joy-Con. Les Joy-Cons, ils avaient l'air très petits dans la main. Oui. Mais je suis surpris, la grosseur est quand même pas si pire. C'est moins petit que je pensais. Puis une fois que l'adapteur, qui le nom m'échappe, Dragonette. C'est ça le nom de l'adaptateur? Il me semble que c'est les Dragonettes. The Dragonite. Ouais, si mon souvenir est bon. Anyway. Les Dragonites. Une fois qu'il est associé avec et qu'on a le cordon qui vient s'attacher comme la manette de Wii. Est-ce que ça s'appelle le Dragon Tail? On va faire abstraction du dernier commentaire lors du procès-verbal. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'il est adapté après la petite manette, ça se tient super bien. C'est hyper confortable. Ouais, ouais, c'est donc, vrai. Ben, le feeling des ARL aussi sur les petites manettes feel mieux avec l'adaptateur. Ça fait penser à une petite manette de Super Nintendo avec le petit arrondi et tout. Là, ouais. Ça fait... Non, j'aime bien ça. C'est non, c'est écoute. Là, on dead. En plus, le socket, moi, c'est le socket, j'en reviens pas. Comment léger c'est? Mais la console, c'est... en fait, c'est la tablette. La tablette et la console. C'est là-dedans qu'il y a le je vais finir par le dire, le processeur. C'est là-dedans qu'il y a la carte graphique. C'est là-dedans qu'il y a l'écran. C'est tout est là. Le socket, tout est là pour. Il est seulement là pour pouvoir recharger la console et pouvoir envoyer le signal directement sur la télévision. Mais on dérange pas, Fio? Ben, j'essaie de trouver le nom des adaptateurs du truc pour voir si ça s'appelle vraiment un Dragonite. C'est pas un Dragonite, c'est une Dragonite. Une Dragonite? Si je marque Dragonite. Joy-Con Dragonite. Dragonite. Dang, Joy-Con, Dorito, Twitter. How catch Dragonite? Joy-Con. That's bullshit. Quoi? C'est pas de mal, ça s'appelle. Oui, je te dis en français, c'est comme ça que ça s'appelle, je suis sûr. Oh, en français! En anglais, ben, une Dragonite. Dragonite. Là. Ben, écoute, on s'éternisera pas sur ces petits adaptateurs, mais ils sont fantastiques, ces Dragonites. Ouais. Avec les Dragon Tail, pas que tu le pitches dans l'écran. Non, c'est un bon. Puis, est-ce que les petites manettes, ils ont-tu un gyroscope dedans? Oui. Les deux petites manettes ont l'effet gyroscopique dedans. Ah ouais? Il y en a seulement une des deux, par contre, qui a le pointeur infrarouge pour pouvoir connaître la distance d'un objet et pouvoir reconnaître les symboles. OK. Mais les deux savent leur position dans l'espace. C'est hot, ça. Ouais, ça, c'est bien. Est-ce qu'il a-tu fallu que tu t'en serves? Ah, ben, à date, on va faire le tour de la Switch avant de passer à Zelda, mais ça va sûrement être ma question. Comme, est-ce que tu t'en sers déjà dans Zelda des features comme... Oui. Ah ouais? Oui, oui, oui. Lorsqu'on vise, même avec la manette Pro aussi, là, ouais. Lorsqu'on vise, mettons, avec l'arc à flèche, on va pouvoir se déplacer avec la manette vraiment pour pointer directement ce qu'on veut. Au départ, je ne savais pas. Donc, je visais, puis je comprenais pas c'était quoi le petit shake qu'il y avait. Une dragonne en France. Une dragonne. Voilà. C'est une dragonne. J'étais pas. J'étais une dragonne. Pas loin. Dragonite, ça fait, on dirait, un objet précieux que tu viens de ramasser comme dans Skyrim. Ou Moi, je sais pas, je mélangeais ça avec du Pokémon un peu. Là. Dragonite, non. Parce que je respecte ça, comme les manettes, ils appellent ça des Joy-Con. Là. Ouais. Je respecte ça. Pourquoi? Parce que Controller, c'est beaucoup trop mainstream. Ben, tu sais, Nintendo, je trouve personnellement que Nintendo, c'est comme une espèce de culture qui c'est pas seulement, OK, j'ai une console Nintendo. Tu fais partie de la culture Nintendo, là. Il y a une philosophie en arrière de ça. Fait que, tu sais, les noms comme ça, là, les Joy-Cons, les Dragonites et compagnie, j'aime ça. J'achète. Pour revenir avec ton feature. Ouais. Donc, on va pouvoir venir viser de cette façon-là. Au départ, je me demandais, quand je visais avec mon arc à flèche, ouais. Je me demandais pourquoi il y avait que Link shakeait. Je me disais, voyons, il peut pas shaker à ce point-là. C'est moi qui vibrais. Donc, tu peux t'ajouter de l'ajustement fin avec la manette. Ce qui est vraiment pas désagréable, ça se fait super bien. Non, ça va bien. Puis c'est pas comme la Switch. Comme la Wii. La Wii. Ah, la Wii. Jouait à Zelda Skyward Sword, que là, c'est vraiment des gros mouvements. T'as pas besoin de faire ça. Ça se fait en restant les mains à côté sur les cuisses. C'est pas un problème du tout, là. Ben, c'est comme le PlayStation, dans le fond. PS4, t'as bien les jeux que tu vises comme ça. Mais ça allait tout croche, par exemple. Ça, je te l'admets. Là, j'ai pas de feeling de tout croche comme PlayStation peut le faire avec le... Ben, je pense que c'est dû au fait que la manette, étant donné qu'il y a un gyroscope dedans, versus la manette de PlayStation qui sert de la lumière
pour tracker okay. la position de la manette. C'est vraiment la lumière qui va définir comme la position comment de la manette. Comment ça s'appelle déjà? De quoi ça? Le feature sur le PlayStation. Le... Ben, c'est le PlayStation Move, là, l'affaire de merde. Non, Move, c'est la manette. C'est le... Je sais pas, moi. OK. Le Blue Light Awesomeness 3000. Of course. Ah non, c'est des bons features. Fait que là, en ce moment, t'as le choix. Vas-y. Seule chose, c'est les boutons pour retirer les manettes dans le côté des petites manettes, des Joy-Con dans la manette. C'est assez habitué. Donc, il y a façon de le faire. Quand même, il y a façon de le faire assez facilement. Quand on sait comment faire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre ma main opposée à toucher le bouton. Mmh. Et avec le push, je vais chercher le dessous du Joy-Con. Comme ça se retire facilement. Mais au début, ça, c'est un petit peu. C'est pas instinctif. Ouais, c'est ça. Tu prends la manette, tu dis ah, comment je fais ça, tu essayes, puis ça fonctionne. Mais. Ah, mais c'est ça, ça a l'air... Mais en tout cas, dans l'annonce, ça avait l'air comme vraiment schlick, mais c'est pas vraiment schlick, c'est plus comme calice. À cette heure, après plusieurs fois que je le fais, ça se fait bien. Peut-être moins la dragonne qui va se glisser. Il y a un loquet en plus. Ouais. Donc, il y a deux étages de protection pour pas que le Joy-Con se sépare de la dragonne. Mais sinon... C'est pas désagréable. On n'aura pas à le faire assez souvent pour dire que ça l'emmerde, là, que c'est vraiment dérangeant. Ah. Sinon, ça va se faire. Mais ça, là, on dit, c'est comme recharger un fusil, je trouve. Ça fait schlick. On dirait comme tu mets un magazine dans un... C'est ça, dans une... Un Kalachnikov. Dans plus de quelques mois, il va avoir ça comme feature. Ça va être... Drop ça sur la table, mets-en un autre, tu sais, pour pouvoir recharger dans tes jeux de guerre. Je fais un mime là-dessus. Tu sais, comme quand que tu changes, tu sais, un mieux là-dessus sur Internet, quand tu changes les agrafes dans une agrafeuse. Ouais, feel. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire, puis comment tu te sens quand tu le fais, puis c'est comme recharger une grosse mitraillette automatique. Je pense que ça va être la même affaire. C'est sûr, je fais un mieux là-dessus. Je le casse, j'appelle les droits sur ce mime-là. Que je vois pas de réseaux sociaux le faire, parce que. Vous allez nous voler nos mimes. Ouais. Hey, parlant de mimes. On reach du monde avec nos memes, hein? Ouais, quand même, on a eu une assez belle portée. Bon. on a pratiquement doublé de followers sur Facebook. Donc, je prends quelques secondes pour remercier nos nouveaux followers qui sont peut-être même pas là ce soir, mais salutations à vous. Merci à vous que vous soyez là ou non. Donc, c'est vraiment cool que vous soyez notre folle aventure. Mais, hein. Fait que manette de côté, fait que là, tu as la console qui est la tablette, en fait. Tout est dans tablette. Puis t'as juste Socket qui est dans le fond juste une prise pour afficher à l'écran. À l'écran et pour recharger ta tablette. Hmm. C'est assez simple. Fait que la minute que tu l'enlèves du socket, c'est affiché à l'écran. Puis la minute que tu le mets dedans, c'est... Et la transition est assez rapide. Là, on parle de quelques secondes. Moi, je m'attendais à ce que... on voit dans l'image des publicités que c'était instantané. Mais que... Le gars, il glissait la manette dedans, enlevait les sockets, les Joy-Con, et il mettait ça dans sa manette, puis partait à jouer. Je me disais, mais à quel point? À quel point est-ce que c'est réel? Très réel. T'as pas le temps de finir d'installer tes Joy-Con dans la manette. Que c'est affiché à l'écran. Que c'est affiché. La console va attendre après toi plus que toi, tu vas attendre après la console. Wow. On s'entend, c'est rare que les gens ont leur console direct à côté d'eux autres. Souvent, ça va être à côté de la télévision. Donc, on va aller, le temps qu'on dépose la console dedans, qu'on aille s'asseoir dans le sofa, c'est réglé déjà, l'image est affichée à l'écran. Question quiz, ce socket, tu le mettrais près de la télé ou près du sofa? À moi, il va être près de la télévision. Ah ouais? Parce que ta Wii U, toi, est à côté du... Être à côté de ton sofa. Oui. Ça irait pas mieux comme... Tu sais, mettons, t'es assis, puis... Le fil HD que j'ai pour ça ne fait pas 20 pieds pour faire le tour de mon salon. OK, mais mettons que la longueur de ton fil n'était pas un problème. La longueur est un problème. Non, mais mettons que ça n'était pas... N'importe quelle femme, Fio, la grosseur du fil est importante. Pas tout le temps. Il y a la grosseur de la circonférence également. Parce que t'as bien beau aller à la pêche, mais si tout ce que t'as comme pâte, c'est un spaghetti... T'attraperas pas beaucoup de sauce. Oh wow. T'es-tu content de faire un podcast avec moi? C'est toujours spécial. Ouais. Hey, podcast numéro 50. Ouais, on félicitations. A fait 50. Ouais, on l'a pas mentionné, c'est notre podcast numéro 50. High five dans le milieu.
Vous avez pas vu nos mains, ils ont disparu dans le néant. Portail. Prr. Mais non, c'est ça, c'est un épisode numéro 50 quand même. On a fait plus de. On a publié plus de vidéos, mais podcast officiel numéro 50. Mm-hmm. On est à la demi-centaine. Ça s'en va vers le bon. Mais c'est quand même un. C'est un milestone. C'est quoi un milestone en français? Un étape franchie, un. Parce que j'allais dire un achievement, non, c'est un. C'est pas franc, c'est pas francophone. Un accomplissement. Ben, un milestone, c'est une étape, genre. Un accomplissement. Je maintiens mon argument. Mais ouais, 50 podcasts. Donc, merci à ceux qui nous suivent depuis le début. Fait que, non, écoute, bel achat. Fait que, Switch 399 canadien. 399 canadien. Le jeu, 29,99. Oui. En fait, ils te payent. Quand tu achètes Zelda Breath of the Wild, t'as la compagnie Nintendo qui t'envoie un chèque pour couvrir tes dépenses. C'est vrai? Non. Ça coûte 79,99. Ben, on s'entend qu'il vaut. Ce jeu-là, particulièrement, vaut chaque sou. On me l'aurait vendu. Je dirais pas ça parce que c'est des plans pour que ça retourne contre nous. Mais si les jeux réguliers, on paye 79,99, mm-hmm, et que ça serait ça le barème, que c'est ça la normalité. Ouais, le prix. Ce jeu-là aurait pu être 30-40$ de plus, puis il aurait valu chaque cent. Jusqu'à maintenant, j'essaye de trouver un point négatif. Écoutez, je suis un grand fan de Zelda en partant, donc c'est peut-être pas moi la première référence, mais. Des fans légendes. Non, mais c'est. J'avoue que. Pour Zelda, ça le vaut parce qu'écoute, en ce moment, toutes les critiques sont unanimes. Là. C'est genre 10 sur 10, 20 sur 20, 4.5 sur 5. Ouais, la pire note qu'il y a. En fait, c'est dans le top 5 des jeux les mieux cotés. De l'histoire, je pense. L'histoire. C'est pas le deuxième? Ben, en fait, oui. Mais c'est parce que le numéro 2, 3 et 4 c'est sont Zelda. Sont tous à 98 ou 99. Ouais. Je pense qu'ils sont tous à 98. Puis le premier étant Ocarina of Time, le meilleur jeu de l'histoire pour l'instant. Hmm. Avec les meilleurs codes, du moins. Ils sont à 100 sur 100. Les points que j'ai à enlever à ce jeu-là. C'est que tu n'as pas assez de temps pour jouer. C'est qu'il ne soit pas sorti avant. Come on. Sérieusement, je trouve que c'est désagréable pour les autres concepteurs parce que Nintendo a créé un précédent. Tu veux dire, ils ont créé un standard? Un standard, ben un précédent dans le sens où est-ce que si tu étais en développement d'un jeu open world et que Zelda vient de sortir, ça vient un peu te casser tes plans. Il y a une énormité de choses à faire. C'est gigantesque. Toutes les directions qu'on peut regarder, on peut y aller. On a tous vu des vidéos à un moment ou à un autre, puis on s'est tous dit « Waouh, c'est grand, on se l'est fait balancer par la tête. » Tout le monde nous l'a dit, c'est le jeu le plus grand qui existe, et etc. On comprend l'ampleur que ça peut avoir quand on regarde nous-mêmes avec la manette. Quand tu regardes dans l'entour de toi, quand tu vas vraiment dans la direction que tu veux aller, puis tu te rends compte de « Colin, ça va être plus long que... » Pas mal plus long que ce que j'avais imaginé que ce serait m'en aller par là, tu sais. Mais il parle que c'est, je pense, c'est 4 fois plus grand Skyrim, en fait, moi. Ouais. Ben, je pourrais pas dire exactement c'est combien de fois, moi, étant donné que j'ai vraiment pas vu une grosse partie de la map pour l'instant. Mais. Ah, ok, je pensais que t'allais dire Skyrim. J'ai fait comme quoi? Non, Skyrim, quoi? J'ai. Exploré de fond en large. J'ai couru d'un bout à l'autre de la map assez souvent. Mais. Non, celui-là, je suis vraiment dans une petite partie de territoire en ce moment, donc c'est difficile pour moi de te dire encore. Mais juste dans cette zone-là, c'est immense. C'est fait incroyable. Avant de continuer sur Zelda, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la Switch? Des features quelconques? La mémoire est interne, si j'ai bien compris. C'est pas, tu peux pas comme transférer sur une carte SD ou quelque chose? Oui, il y a façon de rajouter une carte SD. Pour tes sauvegardes et... Pour tes sauvegardes et tout. Okay. Donc, la sauvegarde de la console en tant que telle est 32 gigs. J'ai entendu que les cartes de jeu aussi sont 32 gigs. Ça, okay. Ça reste à confirmer pour l'instant. Mais il me semble que c'était ça, 32 gigs. Ouais. Mais il y a possibilité de rajouter une carte SD dans la console, ouais.
On sait que maintenant, ça va jusqu'à 1 Tera, ces cartes-là. Ouais. C'est sûr que le prix va avec aussi ce que tu achètes. Mais il y a façon d'acheter, de rajouter de la mémoire à ta console sans aucun problème, là. Donc, non, ça, j'aurais apprécié avoir une console avec plus d'espace. Mais de l'autre côté, si c'est pas essentiel pour l'instant, ça me dérange pas tant. Ah, puis si tu peux le rajouter aussi par la suite, je pense que c'est un bon feature. C'est un. Aussi, GPU à l'intérieur, c'est Nvidia. Oui. Versus AMD pour la gang de consoles PS4 et Xbox. On sait qu'Nvidia sont très forts sur les graphiques, puis les. La durabilité, dans le fond, là. Ça, puis l'innovation aussi. Même Nvidia avait annoncé plus tôt cette année, comme de quoi qu'on aurait un service, un équivalent à PlayStation Nord, puis équivalent au service de Xbox qui va probablement être lancé cette année, si ce n'est pas déjà fait, là, pour louer des jeux en Oui. ligne. Nvidia va avoir le même principe. D'après moi, ça n'a pas été annoncé, j'imagine, là, On mais peut étant dire. donné que c'est en association avec Nvidia, d'après moi, il va y avoir des features de plus qui vont. En fait, il y a déjà des jeux qu'on peut télécharger à partir du commerce Nintendo, là, je me souviens plus, il faut qu'il y ait un chien blanc à ce moment-là. Le Nin Store, on va l'appeler comme ça. Ouais, si tu veux. Donc, avec le Nintendo Store, qu'on peut acheter des jeux directement en ce moment. Sûr qu'au niveau de la grosseur, peut-être Ah vérifier ouais, la le grosseur des stockage, jeux ouais. vis-à-vis la grosseur du storage que vous avez disponible. Sinon, un autre feature que je trouve intéressant, si on a attribué des couleurs aux consoles, le bleu étant PlayStation et le vert étant Xbox, Nintendo avec la Wii, la boîte était bleue, on savait pas vraiment, elle était bleue pâle. Ouais, c'était bleu Il et n'y avait pas, blanc. y avait plus d'identité Nintendo. Puis pourtant, le logo Nintendo, à la base, ça a toujours été un logo rouge, dans le fond, là, sur la Bleu! NES. Et là, on est vraiment revenu avec le rouge. J'ai l'impression que Nintendo est revenu dans la course des consoles avec cette console-là. C'est peut-être le fanboy Nintendo en moi qui fait dire ça. Puis je dis fanboy, j'adore les autres consoles aussi. Mais Nintendo est vraiment réarrivé dans l'univers des consoles avec un gros coup en disant non, nous autres, on est ici aussi. Puis je trouve que le rouge flash, donc je trouve que c'est mentionnable le retour de la couleur de Nintendo comme waouh! Rouge sang, man, pour Ouais. avoir terrassé tous ses ennemis. Non, belle innovation, honnêtement. Pas que je doutais de la Wii U, mais je trouvais que c'était vraiment un entre-deux. Tandis que la Switch, elle a vraiment son identité propre de c'est une console portable que tu peux installer dans ton salon. Est-ce que c'est comme ça que tu la vois ou... Je ne Bon. saurais pas dire. Je sais pas si c'est une console Je. portable que je peux mettre dans mon salon ou une console de salon que je peux apporter avec moi. Je sais pas. C'est comme la perception de la personne qui la détient. Moi, je vais jouer principalement à la maison. Je vais l'apporter avec moi juste pour pouvoir braguer que je l'ai, là, t'sais, pour pouvoir faire Hey, vous veux-tu jouer? Mais sinon, je vais la conserver plus à la maison. Comme tu es en train de faire en ce moment. Je suis pas chez nous, ça. Non. Je me Mais. suis fait voler ma console. Non, mais c'est ça, c'est super gentil que tu m'en passes pendant une semaine pour de vrai, je sais pas quoi te dire. Non, c'était pas ça qui. Fait que sans plus tarder, tu vas nous montrer Zelda Breath of the Wild. Et voilà. C'est le moment que tu attendais avec impatience. Donc, mesdames et messieurs, live sur les ondes de Double XP, à la sortie de la Switch, on vous présente Zelda Breath of the Wild. T'as joué combien d'heures jusqu'à date? Je dirais en l'entour de 5 heures. Popé. Tu m'attendais à plus? Ouais, ben c'est ça. J'ai joué hier soir, mais j'ai quand même fait beaucoup d'heures au travail dans les dernières semaines. Donc à 1 h 30 environ hier dans la nuit, je me suis endormi littéralement. Je me suis réveillé sur le sofa ce matin. Je pensais que j'étais avec un guerrier. Je te Suite à croyais ça, guerrier. en me réveillant à 7 heures ce matin, donc avec pas beaucoup d'heures de sommeil, j'ai ressorti la manette et recommencé à jouer. Et finalement, j'avais vraiment les étourdissements et tout avec le manque de sommeil. Donc j'étais Damn. me recoucher quelques heures et finalement, j'ai joué 5 heures dans l'après-midi. Oh, c'est pas pire. J'avais On pris pardonne. congé aujourd'hui, donc j'ai joué pas mal toute l'après-midi jusqu'à temps que je m'en vienne au studio, dans le fond, pour l'enregistrement, pour la préparation à l'enregistrement.
les prises de photos et tout. Donc, on a. Ouais, on va vous publier ça sous peu, des belles prises de vue de la Nintendo Switch. Étant donné que tout le monde a fait un déballage à minuit, on était supposé le faire, mais étant donné que le domaine du live et de la diffusion sur l'Internet, c'est un domaine très stable et qui fonctionne tout le temps, on n'a pas pu. On a eu quelques difficultés techniques qui nous ont empêché de le mettre ouais. Sur les internets hier soir. Exactement. Mais j'ai appris quelque chose. Mesdames et messieurs, pour ceux qui seraient à l'écoute, qui feraient du stream, qui utilisent OBS et qui utilisent des caméras et qui veulent un setup avec plusieurs caméras, comme vous voyez ici, on aperçoit Pierre à l'instant, ce sublime imitation de Link, et Fio, le PC guy, et aussi le background. La caméra qui ne fonctionne pas en ce moment, étant donné qu'on n'a pas pu réussir à la faire fonctionner, mais habituellement, on a trois caméras. J'ai appris ce matin que parfois, sur vos PC, tout dépendant de votre carte mère et de votre boîtier, les ports USB qui sont sur l'ordinateur sont souvent branchés sur le même port USB sur la carte mère. Donc, si vous avez deux caméras, par exemple, qui sont sur le même port USB sur la carte mère, vous ne pourrez pas utiliser les deux caméras en simultané comme on est en train de faire à l'instant. Donc, il va falloir interchanger vos ports USB pour que ça fonctionne. Fait que si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ça me fait plaisir. Donc, allons jeter un petit coup d'œil à ce jeu qui me paraît sublime, qui me fait rager de jalousie envers ton acquisition. Est-ce que le niveau de difficulté, c'est semblable aux Zelda qu'on a vu? Pour l'instant, oui. Je peux pas dire qu'il y a un gros niveau de difficulté. Par contre, on s'attend jamais à ce que les combats soient contre les ennemis de base, si on peut dire. Mm-hmm. C'est jamais ça le plus gros du challenge, de l'épreuve, si on peut dire. Là. Sauf que quand tu te rends compte contre des gardiens, contre les gros ennemis, on a pu voir dans les previews avec les lasers et tout. Ouais. Il faut que tu sois mieux équipé que ce que je suis en ce moment. Ça, je vous le dis, c'est pas ce qui est le plus facile. Hey, mon ami, t'as pas vu que j'étais ici? Bise la tête! Donc, il y a beaucoup de secteurs comme ça, où est-ce qu'il y a des petites bases. Il faut tuer les 3, 4, 5 ennemis pour pouvoir que le coffre qui est au-dessus d'une tour se débloque plutôt. Et à ce moment-là, on va avoir accès à un item qui est un peu plus rare. J'ai pas encore la véritable utilité de ces objets-là. Il y a des opales où il y a un paquet de... Ok, tu sais pas encore à quoi les objets vont te servir que tu es en train d'utiliser. Exactement. Donc, on peut voir ici les opales, les rubis, une grenouille. Les ombres. Ouais, j'ai attrapé quelques grenouilles aussi un petit peu plus tôt. Fait que là, t'as beaucoup d'inventaire comparativement aux autres Zelda, là. Ah oui, t'as excessivement beaucoup d'inventaire. En fait, tout ce qui est utilisable a des propriétés pour nous redonner de la vie, mais on va pouvoir faire des recettes et qui vont nous donner certaines... Des buffs? Ouais, certains... C'est quoi en français? Des buffs? Pas des améliorations, mais des... Capacités temporaires. Des améliorations temporaires? Ouais, résistance au froid. Ouais, capacité... Plus d'énergie. Synonyme de capacité des... Bon, les capacités temporaires, là. Ouais. Capacité surhumaine temporaire. Donc, toutes les armes de nos ennemis, on va pouvoir les ramasser et les utiliser. Autant les arcs à flèches. Ah, ils ont même des dommages. Oui, ils ont des... Ok, indique combien de dommages qu'ils font. Exactement. Et chacune de ces armes-là va avoir des résistances différentes. Donc, on va pouvoir l'utiliser pendant un certain nombre de temps jusqu'à temps que cette arme-là vienne à échéance, vienne à se briser et disparaître dans votre inventaire. Pour les armes, pour l'instant, on a un espace limité à 8 armes. On a un espace limité à 5 arcs et à 4 boucliers. Je ne sais pas si ça va pouvoir augmenter dépendant des objets qu'on va porter, des morceaux de vêtements qu'on peut changer aussi. Okay. Puis qu'eux aussi ont des propriétés différentes. Donc, j'ai hâte de pouvoir trouver si Link a une tunique verte. Comme Peter Pan? Comme Peter Pan. C'est ça, je pensais aujourd'hui. J'étais comme, hey, Peter Pan puis Link, là, s'habillent à la même place. Il faudrait que. Qui gagnerait un combat entre Peter Pan et Link? C'est une excellente question, soit en passant. Très bonne question. J'apprécie ta question. Mais je me demandais, parce que si tu regardes la quête de. Tu sais, le film Capitaine Crochet avec Robin Williams.
Oui. Puis si tu compares, mettons, Ocarina of Time ou tous les Zelda, tu commences, t'es pas très fort, faut que tu trouves ton épée, là, il trouve l'épée, finalement il rattrape ses pouvoirs, puis il devient super fort. Fait que les deux sont habillés en tunique verte avec un bonnet vert. Fait que c'est coïncidence? Je ne crois pas. Et grimper. Grimper, c'est excellent. C'est vraiment le fun à faire. Ouais, mais c'est ça, dans les features que toi, tu peux grimper dans les montagnes, les arbres, tu peux grimper n'importe quoi. Grimper partout. Tant que tu as de l'énergie, tu peux grimper. Et grimper, comme là, vous voyez, je suis au sommet d'un arbre, il y avait des œufs. Là, j'ai aussi trouvé mon glider, mon paraglider en anglais, qui est le parapente, si on peut dire, qui permet de flotter pendant un bref instant dans les airs, comme un oiseau qui s'envole. T'es comme un écureuil volant. Et ça aussi, ça a un certain stamina. Donc, il faut faire attention, on peut pas faire une chute qui est des plus hautes pendant éternellement, finalement. C'est vraiment. Ah, ok, il dure un certain nombre de temps. Okay, il dure. Okay. Puis ça, dans le fond, c'est la première quête que tu as. C'est de faire une série d'épreuves pour qu'on te remette le parapente pour pouvoir sortir du plateau. Parce que le plateau est très, très élevé par rapport au restant de la map. Donc, il faut sortir de ce plateau-là pour pouvoir sortir. Ça te prend le parapente. Fait que l'histoire, c'est-tu encore. Faut aller éliminer Ganondorf? Exactement, là, c'est Ganon qui s'est emparé du royaume d'Hyrule il y a plus de 100 ans. Et Link a été endormi pendant 100 ans. Ça me fait penser à une histoire de Bethesda Fallout 4. Ok? Donc, Link se réveille et entend une voix. Puis cette voix, il trouve. Listen! Hey, listen! Hey! Hey! Oh my god. Non, ce n'est pas. C'est pas elle? Non. Ce n'est pas notre petite fille de Ocarina of Time. C'est bien la voix de Zelda qu'on entend dans notre subconscient. Oh. On suit cette voix. Elle nous mène à la Sheikah Stone. La Sheikah Slate, excusez-moi, qui est une mystérieuse tablette avec un centre lumineux. Et on n'a jamais vu ce morceau de pierre avant, mais pourtant ça nous fait étrangement penser à quelque chose. Donc cette tablette ressemble étrangement à la Nintendo Switch. Coïncidence? Ou peut-être est-ce une histoire d'Illuminati? Ben, le Triforce, Illuminati. Oh my god. Et voilà. Et voilà. Donc, on contrôle la population avec le jeu Zelda. On vous l'annonce en primeur aujourd'hui. C'est une conspiration. Faites attention à vous. C'est jamais. Damn! Wow. Bref, la Last Slate est un objet, un multi-objet. Justement, dans nos premières quêtes, cet objet-là va nous donner différents pouvoirs. Donc, on peut voir les pouvoirs ici. On a une bombe ronde qui est une bombe ronde. Télécommandée. Okay. Et elle roule. Elle apparaît comme on veut. Et elle, quand on la lance, elle se déplace, elle roule comme vous pouvez voir. Oh! Donc. Ok, c'est toi qui contrôle quand elle explose? C'est moi qui contrôle quand elle explose. C'est cool. La bombe carrée, la différence, c'est que lorsqu'on va la lancer, elle roule beaucoup moins. Je pense qu'ils ont comme un système de physique à l'intérieur. Ça a l'air de la grosse promotion. Oh, ben, je savais pas qu'on pouvait faire tomber un arbre avec des bombes, mais vous l'avez vu en même temps que nous. On peut couper des arbres avec des bombes. Donc, il y a aussi les mains. Qui là, j'ai pas l'air d'avoir grand chose aimanté dans le secteur. C'est quoi, c'est pour t'accrocher, c'est pour déplacer les objets aimantés. Okay. Tous les objets de métal, on va pouvoir accrocher la boule après et on va pouvoir la déplacer dans le fond à notre guise. L'objet peut être vraiment essentiel pour traverser une rivière avec du courant ou des choses dans ce genre-là. On va aussi avoir. La stase, qui est un feature qui va t'intéresser énormément selon moi. Donc je vais arrêter le temps sur un objet qui va être cette boîte, disons. Ok. À ce moment-là, je vais commencer à frapper sur la boîte. Et j'accumule de l'énergie dans la boîte
Et là, la boîte est disparue avec l'énergie que j'ai mis dans la boîte. Avec les roches, je vais essayer de trouver une roche rapidement. Est-ce qu'il y a un objet que je peux déplacer? C'était bon, ça? Il y a des objets, bref, avec une roche que j'ai fait envoyer à vraiment très très longue distance. Et on voit la roche vraiment décoller vers l'infini et plus loin encore. Donc c'est de toute beauté. Non mais c'est une bonne fonctionnalité, je trouve. Il y a aussi la fonction de cryogénisation qui nous permet... Comme Arnold Schwarzenegger dans Batman 3. Là. Exactement. Exactement comme Mr. Freeze. Nice. En moins chauve. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Qui va nous permettre de faire apparaître des cubes de glace dans l'eau. Donc là, j'ai pas l'intention de descendre ici tout de suite. Ouais, c'était haut, hein? Mais où est-ce qu'il y a de l'eau? Ah, oh, il y a de l'eau là. Je vais pouvoir aller vous montrer ça. La végétation est belle, le gazon puis tout. Le gazon se déplace sous nos pieds aussi. Donc les cubes de glace vont pouvoir être comme ça. Et on pourra grimper. Donc il y a des espaces où est-ce que l'eau va être, je vais dire, goudronneuse un peu. Que l'eau est noxive, Link ne peut pas aller okay. dedans. Mais il va pouvoir faire monter des cubes de glace et monter dessus. Donc il peut en mettre... Ça fait très Batman. Oh, et voilà. Et bien entendu, il y a aussi la fonctionnalité que je voulais vous montrer avec l'Amiibo. Qui, dans le fond, je vais partir l'Amiibo en le collant sur la console. Et... Marche pas. C'est parce que t'es dans l'eau que ça marche pas? Je sais pas, je vais sortir de l'eau, là. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Je trouve que ça fail! Fait... On va essayer une deuxième fois. Donc, il place l'Amiibo. Et voilà. Et le Loup Link est maintenant avec nous. Donc, on a deux Links côte à côte. Et notre Loup Link a son libre arbitre et va se battre avec nous à nos côtés. Wow! Donc, petit feature intéressant. Tu pourrais-tu prendre un autre comme genre Mario ou... Ah! Du moins, rien de dit. Est-ce qu'il va y avoir des updates qui seraient disponibles ou quoi que ce soit? Ça, je ne peux pas le dire. Mais pour l'instant, c'est tout ce qui est connu. Donc, on a quand même notre loup qui est avec nous. Est-ce qu'il y a un cycle jour-nuit dans le jeu? Il y a un cycle jour-nuit qui est plus long que... Les jeux conventionnels? Que les jeux conventionnels. C'est pas une histoire de secondes ni de... De quelques minutes. Là. Je pense que c'est peut-être 25-30 minutes par cycle. Okay. Les lucioles apparaissent la nuit, les ennemis comme, comme dans les autres Zelda aussi apparaissent que la nuit. Les graphiques sont. Ben écoute, honnêtement, les graphiques sont vraiment beaux. Même si le jeu est quoi en 900p, je pense. Sur la manette, est en 720p, mais lorsqu'il est transféré à une télévision, il est en 900p. Parce que même si les graphiques sont pixelisés, il y a beaucoup de contenu à l'image. Si tu regardes le gazon qui bouge sous tes pieds, les lucioles, la végétation qui bouge sous le vent, c'est quand même... c'est un peu comme World of Warcraft, si tu veux. C'est pas les graphiques les plus réalistes. Mais étant donné qu'il y a... c'est pas ça qu'on a cherché à faire. Ouais, mais je veux dire, tu peux prendre ta console puis aller sabole puis continuer ta game pendant que t'es en train de chier. Je veux dire, qu'est-ce que ça vaut, ça, là? Je veux dire, moi, quand je joue à Witcher, faut que je le mette sur pause. Ouais, tu peux pas aller aux toilettes avec ta... C'est vrai. À moins que j'aille un Nvidia GeForce Experience, la petite manette avec l'écran, là. Ça, je pourrais le faire, par exemple. Pourrais-tu? Ouais. Ah, je savais pas que c'était... Ouais, là, il y a une manette de Nvidia, là, qui a un écran après. Je pense que c'est le GeForce Experience. Puis quand t'as une carte graphique Nvidia, tu peux streamer ton ordinateur sur ta manette. Puis en plus, avec le GeForce Experience, le nouveau service qu'il va avoir à travers Nvidia, tu vas pouvoir avoir comme PlayStation Now, louer des jeux, avoir accès à des jeux... en streaming. Ah oui. Ouais. Fait que, ben Nvidia se lance là-dedans. C'est... On dirait que je vois comme une espèce de... Pas une coïncidence, mais comme une drôle de coïncidence avec Nvidia, GeForce Experience, Nintendo Switch. Je trouve que... D'après moi, Nintendo avec ça, ils ont un edge. Ouais, ils ont...
On a vu aussi avec la console de PlayStation qui est en fabrication en ce moment. Ouais, il y a eu des leaks, là. Ils ont filé un patent pour une console similaire à la Switch, je pense que c'est l'année passée, mais ça a fait surface récemment. Donc si on tu couvres le gazon puis tout? Ouais. A l'air pesante son épée. Ça c'est une épée à deux mains. Il y en a différentes sortes d'épées, d'armes qu'on peut ramasser. L'arme d'un squelette, par exemple, qui est en train de bouger. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'armes. Honnêtement, jusqu'à date, j'ai dû trouver une variante de peut-être 10-15 armes à main. Okay. En calculant les lances, les torches, pôles, les pôles, ouais. Les bouts de bois, les haches. Haches différentes, des épées, ouais. Des plus grosses épées, des tridents comme tu dis, des armes de fermier. Tout ce qu'on peut trouver est une arme dans ce jeu-là. Tout. Fait que la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que le jeu feel comme un Zelda ou est-ce qu'il feel comme totalement d'autres choses? Parce que jusqu'à présent, Zelda, si on peut appeler ça le loot, là, le système de loot, ça a toujours été les seuls objets que tu pouvais attraper. C'est vraiment les objets qui vont faire partie de ton inventaire comme des objets utiles, comme un grappin, un boomerang et compagnie. Tandis que là, tu peux vraiment ramasser de la nourriture, des armes, des objets quelconques. Est-ce que du crafting, quelque chose? Au niveau de la nourriture, oui. Mais il n'y a pas de crafting au niveau de... Des armures, puis... Exactement ça, on ne pourra pas faire nos armes. Mais... dans le fond je vais le montrer, mais montre nous un steak. Où c'est que c'est déjà? Ah oui, ici. Donc la flint qui est la seule objet de crafting, donc avec du bois que j'ai ici dans mon inventaire, on peut où est-ce qu'on veut utiliser. Oups, j'ai pas fait. Maudit B et X qui sont pas à bonne place. Donc, on peut utiliser ça, le tenir, le mettre où est-ce qu'on veut, le bois, et avec notre fil, l'utiliser seulement qu'une fois, mais on va pouvoir tenir. Oups. Ça marche pas bien, l'enfant. Mais ça marche bien, ouais. C'est... Mais on peut venir mettre du bois où est-ce qu'on veut et venir allumer ce bois-là. Ah, puis tout mettre en feu. Hein, puis tout mettre en feu. Mais là, j'ignore pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a pas un piton qui apparaissait comme au lieu de dropper, tu faisais comme utiliser ou quelque chose, non? Tu peux en tenir deux en même temps? Add? Ouais, add. Ah, ok, c'est en quantité. Ouais. J'aime ça comme feature, moi. Là, il y en a plein dans les mains. Mais il a quand même sorti de sa poche, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Tout est dans les poches de Link, on sait bien. Ouais. Donc, Ah, mais je pensais qu'il y aurait un système de crafting, tu sais, t'aurais pu construire tes armes pis tes. Seulement au niveau de la nourriture, dans le fond. Quand on va trouver. L'emphase est là-dessus. Quand on va trouver des chaudrons à certains endroits qui seront pas allumés, on peut transporter du feu ou avec un flint faire un feu. Ok. Et venir. Faire de la nourriture dans le fond dans ce feu là. Donc on va venir choisir quel item on va utiliser. Et on peut voir dans chacune des catégories, chacun des items, on va nous donner une petite description étant donné qu'ils ont chacun diverses propriétés. Comme celui-là qui est le piment épicé, il va rajouter de la résistance au froid lorsqu'on va le mettre dans une recette. Avec ça, quand on va monter en altitude, il fait plus froid sur les montagnes. Okay. Donc, on va pouvoir se faire une recette qui va nous permettre d'avoir celui-là, 10 minutes 30 de résistance au froid. Ah, ok. Éventuellement, il va y avoir des pièces d'équipement qui vont pouvoir nous aider probablement au courant de notre quête. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vraiment seulement de la nourriture dans les premières quêtes que tu as dans les moments froids. T'as besoin de nourriture, donc il va falloir. On va donner accès quand même au piment assez facilement pour que tu puisses te faire de la nourriture. Il va tout le temps avoir des petits cues, là, des petites
paroles ici et là qui vont me donner des indices exactement pour savoir comment on va apprêter les choses pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Suivante. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Il y a aussi des quêtes. Ok, c'est un système de quêtes à Star? C'est un système de quêtes, mais on n'est pas obligé de le suivre. C'est un jeu open world, c'est sandbox un peu en même temps. C'est nous qui allons décider où est-ce qu'on va aller, de quelle façon qu'on va y aller. Est-ce qu'on veut vraiment suivre la quête ou je veux pas la suivre puis je pars dans une autre direction? C'est nous qui décident. Ben, il y a une quête principale puis il y a des quêtes secondaires. Exactement. Ma quête principale, au départ, on vous le dit, c'est de détruire Ganon. Et c'est... j'irai pas là. Je veux pas vous dire tu qui... Tu veux pas spoiler? Je veux pas vous dire qui vous donne la quête, mais... C'est un moment intéressant de l'histoire aussi. Donc, le début du jeu pour chacun des joueurs va être un petit peu dirigé, étant donné que dès qu'on sort de notre grotte, on aperçoit un homme, on s'en va voir l'homme instinctivement, c'est le premier personnage qui va nous donner nos quêtes. Après ça, il va nous donner trois endroits à aller vérifier. C'est nous autres qui va décider quel qu'on va aller. C'est juste que de la façon que c'est disposé, instinctivement, tu vas t'en aller vers la première en premier pour t'en aller vers la deuxième. Ouais. Mais si tu veux, tu peux t'en aller directement à la troisième. Il n'y a rien qui t'en empêche. Suite à ça, on te donne justement le parapente et l'indication de t'en aller vers le Kakariko Village. Ah, le Kakariko Village. Le fameux Kakariko Village qui revient. Donc, on te donne l'indication d'aller vers l'est. Mais après ça, c'est toi qui décides. Tu pourrais t'en aller vers l'ouest. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis parti à la chasse suite à ça. OK. Fait que tu peux vraiment chercher, faire ce que tu veux. Puis... Exactement. Il n'y a pas de contraintes suite à ce que tu voudrais faire ou pas. Oh, mais écoute, c'est une bonne première impression de ce jeu-là. Regarde, t'es satisfait? Ah, chaque seconde de ma vie, depuis que j'ai ce jeu-là. Fait que sur ce, on va jouer à ça. On va jouer. Fait que tu me laisses pendant la semaine, c'est ça, right? Ben, je vais te laisser maintenant. Préférerais-tu utiliser un autre manette ou... Non. Ah, tu peux sauter? Tu peux sauter à ta guise. Hein? Oh, là, c'est le bonhomme qui m'a tué tantôt. Je te dirais, sauve-toi. Stop courir. Triangle. Y. X. Mais c'est qui, lui? Lui, c'est une Stone Talus. Dude. Qui est... Fio, on n'est pas équipé pour pouvoir le battre en l'heure actuelle. Ben, j'ai une... Non, on n'est vraiment pas équipé pour protéger. Tu vas mourir. J'ai un arbre pour me protéger. Mais t'as 20 flèches. Y, c'est pas de ta flèche. Tu veux je suis protégé par là. T'es pas assez loin, t'es... Fio, t'es pas équipé. Je l'ai eu! Oui, mais... Ok, il t'en manque juste 25! Ok, faut que je vise plus haut. Je l'ai eu encore. Il peut rien faire, là. Il peut peut-être rien faire. Mais ça va prendre toutes mes flèches. Ah, tu m'as poigné d'autres. C'est quelqu'un de vraiment, vraiment agréable. Tu veux? Regarde, là, je suis très précis en ce moment. Dites à Fio sur le chat si vous voulez qu'il vraiment qu'il tue cette... Ça va bien, de pierre là ou non, ça va bien. Tout ce moment aussi qu'on se rend compte que tu vas mourir. Mais non. Je te gage un café que je ne veux pas. Tu veux? Quasiment à moitié là. Je vais te pogner du bon loot, man. Tu vas pouvoir te faire une épée. Tu peux pas te faire d'épée, fille. Mais tu vas pouvoir te faire un super bon plat succulent avec du steak. Oh, tu veux l'évapiter une roche. C'est le Deku Tree, man. C'est quoi le nom? Le Deku Tree? Deku Tree? Ouais, le gros arbre là, dans Ocarina of Time. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui me protège, ouais, c'est ça. Il me protège en ce moment. En plus, mon loup, il attire l'attention. Ça s'en vient. Tu vois, ça se passe bien, man. Moins que la moitié, là. Ah! Tu m'as fait flèche. Eh non. Je n'ai plus combien? Je n'avais 20. Je vais juste faire attention pour pas manquer ma chute. Tu veux? J'ai eu plein dedans, man. Ah, il a bougé en même temps. Colin. Y'a-tu moyen de faire des flèches? Non, y'a pas de crafting.
Du moins pas pour le moment, je l'ai pas vu. Puis je suis rendu au haut là. Rendu au T. Tu penses bien? Tu vas mourir. Your soldier's bow is badly damaged. Ça achève, man. Je te dis. Ah non, il s'est tassé. Accouche-toi. Oh non! J'ai plus d'arc à flèche! Oui, mais tu peux en utiliser un autre avec la flèche gauche. Bas. Droite. Ok, pay start. Fais. Là, va avec le joystick de droite vers. Ouais. Choisis-toi un autre arc. Wow. De cette façon-là. Ben. Peut... Et avec. Tu l'as-tu sélectionné? Tu l'as pas sélectionné, Fio. T'as pas sélectionné l'arc. Là, clique avec A. Oh, avec A! Équipe. Et voilà. Là, il reste 4 flèches. C'est quoi, back? B. Ok. Il reste 4 flèches, sinon il reste des flèches de bombe et tout, mais. Ouais, sauf que là, il est comme dans un frenzy. Là. Yes! Ok, là il faut des flèches avec les bombes ou les feux puis c'est ça. Quoi les mieux? Sûrement les bombes, j'imagine. Ça serait cool que tu les utilises pas toutes aussi. Oh! Biser la tête! Mais qu'est-ce qui se passe? On est ce Robin des Bois? Tu piges? Hein? C'est ça, man, je t'ai ramassé plein de rubis pis tout, c'est le même, tu me remercies? Je sais pas à quoi ça sert encore. Hein? C'est ça, Dark Souls? Pff, facile, man. Facile. Êtes-vous impressionné? Laissez le message dans les commentaires. Likez la page Double XP Studio. Pour te laisser des commentaires à quel point que je suis une machine. On peut-tu regarder un peu. C'est quoi la map? C'est ça, back? Moi? Ouais, exact. Fait que ça c'est où ce que t'es? Ben, toi, t'es à le petit point jaune. Ouais. Ça, c'est une partie de la map. Et ouais, exact. Ça, oh! C'est le reste de la map. Ok, c'est pas petit, là. Non, c'est beaucoup de map. Wow. Là, je veux plus que tu utilises ces... Change les flèches. Je veux plus que tu utilises ça. Retire ça. Je peux-tu retire. Avoir un... Je veux une épée. Ok. Ben, ça. Ouais, mais ton arc avec les flèches est quand même équipé. Retourne à ton arc, Fio. J'ai mon arc, là? Je veux pas que t'ailles là. Il va pogner une arc. Ça... Remove? Non. Va sur les flèches. Équipe? Bon. Tiens, j'ai un pylône de poulet maintenant. Oh, c'est quoi pour courir? Oh. C'est quoi? Une épée. Rusty broadsword. Hey! Mais... Non, va t'en... On revient. Fio. Fizz. Toi, t'arrives de là, right? Va prendre l'arme. Et où? Ouais. Drop juste d'autres armes moins bonnes. Genre une que t'as 4? Ça compte-tu pour... Ça, c'est-tu le nombre que t'as ou c'est le dommage qu'il fait? C'est le dommage qu'il fait. Donc, drop un des bras. Ouais. Il est en train de vomir? Il est essoufflé. Ah! Ah, piton. Yeah. Oups. Non. Cool. J'aurais pu couper l'arbre parce que j'ai rien qu'un coup.
Ah, il y avait des trucs que tu peux ramasser aussi. Oublie pas, c'est sandbox, hein. Fait que tu veux ramasser les trucs que tu vois. Est-ce que... Ah, puis il y a des flèches en plus. C'est les flèches que tu as manquées tantôt qui... Nice. Qui sont par terre. Est-ce que... Voyons ce que je veux dire. Est-ce que ton stamina va s'améliorer avec le temps? Il y a façon de faire. Là, vous voyez, j'ai 4 cœurs dans le coin gauche de l'écran. Ok. J'ai eu à faire. Oup. C'est quoi pour. J'avance la flèche et pas le temps. Pour. Pour targeter, pour. ZL. Le deuxième bouton de gauche sur le dessus de la manette. Quoi? ZL? Ouais. Le bouton de gauche sur le dessus de la manette. Ça? Ça, c'est L. Voyons, Fio, il y a Z, quatre... c'est quoi? Ah, ZL! Dis-moi left trigger, bout de vierge. Left trigger. Ok, il se bloque automatique. J'aime ça l'herbe qui se déplace avec Link. Ouais. Ah, il y a une certaine pesanteur, c'est cool. Tu veux avoir ton loup? Non. Pas besoin de loup, man. Moi, je suis un solitaire, man. Oh, les ennemis, là. Ils ont peur. C'est quoi pour grimper? Tu gardes... Ok, c'est correct. Non, mais je veux juste donner comme une petite idée de grandeur, là. Une petite idée de grandeur. Donc, on peut aller au sommet de ces montagnes-là. On peut aller. Pas plus tard que cet après-midi, j'étais au temple qui est au fond là-bas. C'est-tu le Temple of Time? Oui. Il a été ravagé, par contre. Waouh! Ravagé par le temps? Il y a. Il y a eu une guerre il y a 100 ans, dans le fond, quand Ganon a pris possession des terres de Hyrule. Et, ouais, il en a laissé seulement des... Ah, regarde à droite, en bas. Il y a comme des trucs qui s'abreuvent ou je sais pas trop, dans l'eau, là. Plus haut, non. Check, là. Ah, oh, c'est des chevaux. Ah, oh, des chevaux! Ah, ça se rend pas. Obviously not. C'est quoi le piton pour le... Ok. Lorsqu'on est dans les airs, on va peser B pour pouvoir... Non, ça va être haut, hein. Mais tu peux-tu, mettons, l'ouvrir, le refermer, puis le rouvrir plus tard? Ouais. Ah ouais? Ok, go. C'est juste que... C'est Y pour le X, ouais. Mais... Ben, je viens de régler le problème. C'est Pona. Et Pona. T'as-tu déjà pogné un cheval? Non. T'en pogneras pas de cette façon-là, par exemple. Psy. Cache-toi dans l'herbe. Wow. Ah, c'est bien fait. C'est peut-être la Nvidia work truc, là. J'avoue que c'est bien avec l'herbe qui se déplace. L'effet de camouflage dans l'herbe. Ouais, mais c'est ça le feeling. Ouais. Chouchou joli. Wow, cache-toi dans l'herbe. Hey, y a quoi ici? Ah, c'est un cheval. Tu peux-tu tamer le cheval? Oh, il s'en vient ici. Ah, c'est l'autre piton pour monter. Coup de sabot en face! Wow! Ok, mais je veux un cheval. Oh, il y a un gros ennemi ici. Penses-tu que je peux le battre, non? D'après moi, il te one shot.
un coup que t'es mort. Ok, il swing lui là là. D'armes. Oh non! Tu peux juste peser sur les flèches pour changer ton arme aussi si tu veux. C'est... Y en a-t-il une que tu me conseilles? Le bras qui va être ta meilleure option en ce moment pour garder un bouclier. Et faut... Oh! Oh, il t'a pas one shot, mais pas loin. Si tu veux, tu peux manger quelque chose. Genre une pomme? Non. Genre, tourne encore un autre coup. Va à la droite, va à la droite. Et un steak, là, serait une bonne option. Ouais? Ouais. Ah. Même un deuxième steak. Ouais, il t'amène là. Ouais, ouais, ouais. Ton arme a brisé. Ramasse ton bâton! Oh non! Là, tu utilises un Boko Club, peut-être, ouais. Yes! Yes! Là, il est équipé direct, automatiquement. Quand t'as pas d'arme équipée pis t'en ramasses une, automatiquement, okay. Elle s'équipe. Hein? Hein? Mais qui... Oh, un Moblin Fang! On va applaudir Fio de cette façon. Donc, c'est réglé. Wow, j'aime ça. Ben, tu sais, le système de combat de Zelda, ça a toujours été comme un point fort, là, l'espèce de système d'esquive, frappe au bon moment et compagnie. Là. Puis chaque ennemi a ses forces et ses faiblesses, donc. Comme les donjons, je sais pas si ça va être ça aussi dans celui-là, mais qu'on va trouver une arme qui va être l'arme qu'on va utiliser dans le fond pour battre le boss de ce donjon-là. Ouais. Non, c'est. J'ai réussi à te taper un cheval, là, finalement. Non. Mais j'ai tué un gros bonhomme. Puis je m'apprête à cueillir un champignon. Ouh, hein? Un Hylian Shroom. J'en ai quelques-uns. Non, c'est une. À date, j'aime ce que je vois. Félicitations au producteur de Zelda puis le Nintendo Switch. C'est un excellent jeu de lancement de console, je trouve. C'est un bon move. Y a-t-il un Mario qui est sorti avec. Non, c'est le point où est-ce que. Y a pas de. Je parlais justement. Avec qui je parlais de ça cette semaine? Quelqu'un à job? Ouais, je pense que c'est avec David. Ok. Que j'ai parlé de ça, comme quoi que c'est bizarre. Peut-être avec Dave. Dave, dis-moi, c'est-tu avec toi que j'ai parlé de ça? Je suis inclus. Non, ouais, comme quoi que c'est bizarre que Nintendo sorte pas une console, mais pas avec Mario. C'est étrange. Ça fait bizarre, mais à la fin de l'année, dans le fond, voire début 2018, il va y avoir Mario Odyssey qui s'en vient. Donc là, tu as attrapé ton cheval, mon cher. Félicitations pour attraper. Oh non! Il sauvera pas, c'est ton cheval, mais. Comment je fais pour courir? Non! Mais cours! Non! Non? Ok, c'est B. Waouh! Oh, il va pas où ce que je veux, par exemple. Oh non? Non! Il est têtu? Ouais, il. Mais c'est correct, il va m'amener. Ouais, mais là, t'es dans une ville ennemie, là. Je suis have done that. Il bloque pas? T'as une arme à deux mains. Mais là, il est un pied, là. Ouais, mais t'as pas d'arbre. Oh! Il m'a poké! Wow, ça se passera pas de même. Faut une épée. Moi, j'suis un gars d'épée. Ou un gars de one-handed. Ça, c'est. J'ai plus de one-handed. Tu viens de toutes les briser. Pis t'as pas voulu ramasser l'autre arme. Ah, mais il m'entoure, il lance ça. Oh non! Yo, un peu de difficulté.
Non, je suis mort! Non! Juste un peu de shit! Excellent jeu. Très, très satisfait de mon essai de Zelda sur la Nintendo Switch, Breath of the Wild. Donc, félicitations pour ton achat. C'est un... ben, merci beaucoup. Je... Ça se voit pas dans mon visage, mais je suis rempli de jalousie extrême de cette console portative. C'est les... Puis tu disais que les graphiques, c'est 720p sur sa tablette? 720p sur la tablette, 900p lorsque diffusé sur la télévision. Il y a certaines critiques où est-ce que j'ai vu qu'on parlait d'une baisse de d'image par seconde quand on diffuse sur la TV. J'en ai pas vu encore. Sur la télé ou sur la tablette? Sur la télé. Sur la tablette, aucun problème. Okay. C'est vraiment lors de la diffusion en 900p qu'on peut avoir quelques baisses d'image. J'en ai pas vu. C'est vraiment des informations que j'ai à l'externe. Moi, ça ne m'a pas affecté, du moins jusqu'à maintenant. Par contre, j'ai pas eu encore ben et demi en avant de moi. Ouais. Mais on verra en temps et lieu. Mais pour l'instant, j'ai vraiment aucune critique à faire là-dessus. Légèreté, tout est là. Tout est là. J'ai vraiment aucun problème avec cette console-là. Je trouve que c'est un excellent achat, malgré le manque de jeux qu'il y a à la sortie. Si vous êtes de près ou de loin un fan de jeux Zelda, c'est sûr que vous trouverez votre compte avec ça. Sinon, encore là, Nintendo, tout le temps des jeux pour toute la famille avec One to Switch, des jeux dans ce genre-là, des Bomberman aussi, qui sont déjà disponibles. Bon, plusieurs jeux indépendants, des jeux disponibles aussi. Donc, un excellent achat. Assez nouveau aussi de pouvoir transporter sa console comme ça. Là, c'est sûr que j'ai amené tout le setup, mais c'est possible aussi de faire juste avec l'écran. Bon, c'est ça, avec l'écran et les deux Joy-Con après. Exactement. Donc, et à rajouter que la console en tant que telle, pas la console, excusez, l'adapteur pour diffuser sur la TV est en vente séparée. Ouais, c'est ça. Donc, que on peut mettre sur plusieurs télés, dire, on en achèterait un pour le studio, puis j'ai juste à apporter ça. That's it, c'est déjà plugué. T'sais. Bonne idée. Fait que. Très bonne idée. Donc, juste ça, puis je pense que c'est 79,99 canadiens pour pouvoir avoir accès, dans le fond, à ça aurait été ça aurait été le fun que ce soit comme un micro HDMI que tu rentres dans la tablette puis que tu puisses diffuser. Ouais. Mais je sais pas à quel point c'est complexe le truc de diffusion. C'est ça que je me demande. Parce qu'en tant que tel, ça pourrait être comme un HDMI comme j'ai sur ma caméra, ma T3i, ou comme tu pourrais mettre sur un cellulaire pour afficher sur ta télé. Ouais, sauf que dans le fond, ce qui diffuse, le récepteur qui prend l'écran, c'est comme juste 4 petits contacts de métal. Donc c'est pas vraiment une prise connue dans l'adapteur. C'est très Apple. Ouais. Tout est en vente séparée. À noter que cette partie ne recharge pas les Joy-Con. Ah non? Ça prend absolument la console pour recharger les Joy-Con. Les Joy-Con ont une vingtaine d'heures d'utilité. Okay. On peut acheter une manette comme ça séparément pour, si je ne me trompe pas, $59.99 canadiens, qui va être un adaptateur avec une batterie interne. Okay. Donc, cette partie-là va pouvoir recharger les Joy-Con. Mmh. Donc, c'est possible d'acheter, mais encore là, à part, tout est vendu séparément, finalement. Là. Ben écoute, je veux dire ils ont réussi leur coup de marketing, parce que tu as comme les petits trucs comme ça. Oh, je pense que j'ai déjà quelque chose. Ouais. Tout c'est séparé, l'écran est séparé, le récepteur est séparé, les dragonites sont séparés. Les dragons, tout est séparé. Marketing, Nintendo, man. Marketing. Ouais. Pour une compagnie qui était pas en faillite, là, mais je veux dire que... Ouais, c'est ça, c'est... d'après moi, soit que ça passe ou ça casse avec la Switch, mais d'après moi, ils ont un bon produit pour pouvoir se relever. C'est sûr que les jeux qui vont sortir dans les prochains mois vont être très importants aussi, mais avec les annonces qui ont déjà été faites, des jeux qui sont en projection pour cette année et pour le début de l'année prochaine, dans le fond... Je pense pas que ça soit vraiment un problème au niveau des jeux. Ça va être intéressant, puis ça va être à surveiller au courant de l'année. De toute façon, on va vous tenir au courant. On en a une maintenant. Good job. Fait que non, c'est ce qui résume le podcast numéro 50 dédié à la Nintendo Switch de notre Super Pitoise, le chanceux. Tu le laisses 7, hein, tu disais? Non?
OK. J'aurais essayé. Donc, comme je disais, c'est ce qui conclut le podcast numéro 50. Merci à tout le monde, à tous et à toutes qui ont été là ce soir et qui nous supportent sans arrêt. On apprécie beaucoup. Depuis déjà 50 émissions officielles. Donc, c'est vraiment gentil de votre part d'être avec nous autres dans notre folie. Ouais. Donc, restez connectés sur les ondes de XP pour la mise à jour, pour les mises à jour cette semaine. Et restez connectés vendredi prochain, même heure, même poste, 20h30 environ. Heure du Canada dans l'Est pour le podcast numéro 51. On va être de retour à notre formule régulière, donc restez connectés. Et beaucoup de choses à venir aussi, peut-être collaboration avec d'autres podcasts ou des invités qui s'en viennent, donc ça va être à surveiller. Donc merci encore à tous et à toutes. On va vous souhaiter une bonne semaine de gaming, puis on se dit à la semaine prochaine, même heure, même poste. Bonne soirée tout le monde. Salut tout le monde.